Alors aujourd'hui, on va faire un sommet qui se trouve pas loin du col de la Cayolle. C'est le 6 mai. C'est un sommet qui est voisin du Mont Pelat, qui est un 3000 et quelques. C'est ton premier 3000 ? C'est mon premier 3000. Voilà, c'est son premier 3000. Donc voilà, c'est une grosse responsabilité, c'est de l'amener au bout du 3000. Donc là, le temps, il est très beau. Mais ils ont prévu de la pluie en fin de matinée, en espérant que la météo se trompe comme ça arrive de temps en temps. Donc on est parti pour le 6 mai. Donc là, la montée est vraiment douce et progressive, sans difficulté. Le sentier, il est roulant, pourvu que ça dure. Le temps, c'est un peu couvert, ça se voile, mais il n'y a rien de menaçant au niveau nuage. Donc, on croise les doigts pour pouvoir faire ce sommet dans de bonnes conditions. Donc on est au sommet du 6 mai, 3020 mètres. C'est ça. Enfin, pour ma copine. Alors aujourd'hui, j'étais venue marcher avec une amie de très longue date. Non. T'as raison. Et pendant le confinement, comme quoi il y a des gens qui ont eu des prises de conscience pendant le confinement. Et elle m'a demandé de la mener en randonnée pendant quelques jours, et je me suis dit que ça serait un beau défi de lui faire faire un 3000 accessible. Et dans le secteur de Alos, il y a le Mont Pelat qui est accessible, et le 6 mai, je connaissais pas, et qui est accessible aussi, puisqu'on est arrivé en haut. Je suis arrivée, donc vous pouvez le faire. Donc bravo à toi. Merci de m'avoir ramené jusqu'ici. Avec plaisir. Voilà, il n'y a plus qu'à manger maintenant. À table.